Dans une entreprise IT, dans une entreprise technologique, la différence, ce sont les gens, c'est l'humain. Il s'est passé pour moi quelque chose d'extrêmement important pour le futur d'Enerbe. C'est cette signature de cette chaire, de cet accord de partenariat avec l'Université de Liège dans le cadre de collaboration dans le développement de use cases en intelligence artificielle. Ce partenariat sonnait comme une évidence. Il y a besoin pour l'Université de Liège de travailler plus avec les acteurs majeurs de l'informatique. Le partenariat entre Enerbe et la Faculté des sciences appliquées, c'est une porte ouverte qui permet de communiquer entre deux mondes qui ne communiquent pas assez, mais qui sont confrontés aux mêmes enjeux. En tant que chercheur, le partenariat avec Enerbe est une opportunité de venir challenger les recherches qu'on fait dans un contexte scientifique et académique sur des problèmes concrets. Ce partenariat avec l'université représente plusieurs choses. Pouvoir profiter de la recherche de l'Université de Liège et y associer en fait des cas métiers, des exigences exposées par nos clients. Et puis aussi pour notre personnel interne, nos jeunes comme nos moins jeunes, profiter d'une expertise, d'une expérience qu'on va pouvoir utiliser dans des cas concrets, tant pour nos besoins internes chez Enerbe que pour nos clients. Deuxième enjeu, c'est de venir renforcer et de venir nourrir les enseignements qu'on a en intelligence artificielle à l'Université de Liège, et notamment par exemple avec des cas d'application nourris par notre collaboration avec Enerbe. Être le plus près d'une université nous permet à la fois de leur instiller des informations par rapport à la vie réelle de l'entreprise, leur permet aussi d'affiner leurs recherches par rapport à ça, donc d'être réellement une faculté de sciences, mais de sciences appliquées. Et en ce qui nous concerne, ça nous permet aussi de ramener une méthodologie scientifique stricte dans le cadre de nos développements.